Waouh, bismillah. Et aujourd'hui, nous allons faire des haricots blancs. Et maintenant, ma liante va payer. Et pour nos haricots blancs, j'ai commencé par faire frire la coriandre pour me donner un bon goût. Je dis toujours, tous les plats qui contiennent de la coriandre, on commence toujours par frire la coriandre. J'ai mis une seule cuillère à soupe d'huile. Pas beaucoup d'huile. Et merci Sandrine et Sabah pour votre conseil. Je l'ai bien suivi. Pas beaucoup d'huile, c'est pas bon pour la santé. Et on peut faire mieux sans beaucoup. Ensuite, j'ajoute un seul oignon avec 3 ou 4 gousses d'ail. On a tomates concentrées. Moi, j'ai pris une cuillère et demie, mais bien remplie. Banadoura ma'soura mal'a ou nous. Kamoun, cumin, poivre, bahar, aswad, malh. Et de la tomate bien découpée. Et j'ai mis presque un peu d'eau. Voilà. Parce que ma marmite est toute sèche. Donc là, je fais ça. Et je le laisse encore bien mijoter. Je vais même ajouter un peu d'eau. Tiens. Voilà. Et je le laisse encore bien mijoter. Ma famille et moi, dans notre maison, normalement, on ajoute directement les haricots blancs. Comme ma belle-mère et tout le monde qui le font. Mais dans notre famille, on n'aime pas trop les tomates, les petits trucs là. Ce qui fait que je vais les mixer pour avoir une sauce lisse. نحن بالبيت عنا ما بنحب يعني لما بنملقى بالفاصوليا هيدي البندوره مع البصل وهودي انا بدي اعملهم ميكسي هلا لحتى بتصير مثل الحرير وساعتها بزيدها الفاصوليا تبعو كي جو ديزي جي بيان ميكسي ما 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 مي زونيون اي تو اي لا جي في اجوتي لا فاصوليا مي زاريكو بلون اي سون فريش. Je les ai bien lavés et là, je vais les mettre et je vais ajouter de l'eau. Je vais mettre le fasoli à taboulé. Je vais mettre le fasoli à taboulé. Je vais mettre le fasoli. Si vous voulez, vous mettez un kilo, un demi-kilo d'haricot blanc. Et maintenant, vous mettez comme vous voulez. Donc là, j'ai la couvre. Et je la laisse mijoter jusqu'à cuisson. Pour ceux qui ne veulent pas mixer dès le départ, vous coupez en tout petit morceaux. Tout ce que vous avez, la tomate, les oignons, vous le coupez en petit morceaux. Et dès qu'elles sont bien frites, vous ajoutez vos haricots blancs et vous mettez de l'eau, vous la couvrez, vous la laissez cuire. Ok les amis, on est arrivé à la fin de notre recette du jour. Je voulais vous remercier. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez la faire pour le plaisir de votre famille. Yalla, bye!